Attends, what the fuck? Lux Ignite TP au bot? C'est mince! C'est bon, je dis bronze 4. Et salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez atypique. Je suis en compagnie de PGM qui est à ma droite. On va faire un concept d'émission que vous connaissez peut-être, qui je crois que ça a déjà été existant sur YouTube. En gros, tu dois définir le level de la game, sauf qu'aujourd'hui on est en live. Du coup, je vous explique comment ça va se passer. Bien évidemment, si tu veux participer à ce genre d'émission, ça se passe sur ma chaîne Twitch. Il y a des gens qui sont sur le live, je vais tirer au sort quelqu'un d'entre eux. Le pseudo va sortir, ce sera pas, par exemple moi qui vais aller dans l'historique de cette personne. Je vais chercher une game et PGM ne saura pas quel level est cette personne. PGM va devoir regarder via la rediff de la game comment elle est, le stuff, les persos, etc. Et il va devoir définir quel elo de la game ça se trouve, voilà, est-ce que c'est du silver, est-ce que c'est du gold, est-ce que c'est du plat. Voilà, ce sera un coup chacun, celui qui gagne doit un sub à l'autre et inversement. Donc c'est aussi simple que ça. Ça va, je pense qu'on peut être surpris parce qu'il y a des games on va dire que c'est clairement du fer, c'est du silver, voilà. Clairement. De toute façon après il y a beaucoup de games qui se ressemblent, je pense bronze, silver ça se ressemble beaucoup. Bien sûr, il y en a, ils se sont battus toute une vie pour être silver. Non mais je veux dire, tu vois pas de grande différence, tu vois. Commence vraiment à avoir une différence. Le fer ça se voit quand même. Ouais, fer ça se voit quand même. Il y en a, ils font vraiment pas d'effort. C'est bon, tu peux te tourner, c'est bon, c'est sûr. Sûr. Voilà. Okay. Donc là, pas de fois, tu... regarde, je te donne clavier souris. Ok. Voilà. Donc là, écoute, tu es libre accès dans cette game. Ok. Tu as devant toi l'élite française du jeu vidéo. D'accord. Déjà, si je peux me permettre, déjà c'est un alpha. C'est un vrai mal alpha parce qu'il joue Wukong de 1 et il joue Ignite TP. Déjà, il me plaît, lui. Je le connais pas très bien, mais il me plaît. Contre Cled en plus, matchup, ok. Donc là, ce qui va pouvoir peut-être me permettre de savoir un petit peu son niveau déjà, c'est son farming. Comment il va jouer son farming? Déjà, ça me plaît, il bouge sur la lane, etc. Donc je vais juste voir. Donc déjà, voilà, déjà. C'est pas terrible parce qu'il a eux dans les sbires, alors qu'il y avait le Cled qui était là, il aurait pu le trade. Est-ce que déjà, du coup ça définit qu'il a un niveau en dessous de plate? Pas forcément. C'est pas forcément significatif, mais ça peut le faire. Ok, donc là il va trade, ok. Il trade back, en tout cas il se laisse pas faire, il trade back. Ok, c'est pas mal, il utilise pas ses potions, ça c'est pas... C'est pas foufou, ouais. Il suit quand même. C'est pas foufou, tu vois, il a toujours pas utilisé sa potion. Ça, c'est pas bon. Ça c'est mauvais signe déjà. Parce qu'il est, il a un tiers HP, il aurait dû utiliser une potion. Ok, très belle ward d'ailleurs de la part du bro. Il engage du niveau 1 contre le niveau 2. Ok, ouais, bon, je pense déjà il est un peu moins que plate déjà. Moi je dirais silver gold déjà, entre un des deux. Okay. Ah oui, Malzar, il est... Ah ouais, Attends, mais c'est un mineur, qu'est-ce qu'il fait là gros? Il s'est perdu gros dans la pampa. Bon déjà ça, tu vois. Déjà, on peut voir que le mineur décale avec une wave totalement éclatée, déjà c'est pas bon. Bon. Qu'est-ce qu'il fait au top? Non mais en plus y'a rien, il se passe rien genre. Il s'est passé rien gros, avec Malzar gros, Malzar, le perso le plus immobile du jeu. Ah c'est grave. Ouais, hop, petit dot, voilà, okay. il a tout mis là, il peut rentrer à la base. Il a mis le petit crachat dessus, ok. Phase de lane, bon déjà ça fait 2 minutes 50, tu as vu déjà beaucoup de choses quoi. J'ai vu pas mal de choses, mais là le problème c'est que bah il ferme pas trop, c'est dommage, il pourrait très bien s'avancer, potentiellement trade, il va passer niveau 3. Ça c'est pas mal, il met pas de reset d'auto, ça c'est très important. Niveau 2, il peut y retourner, ok. Bon je pense qu'il est un peu moins que gold, moi je dirais dans les silver. Je vais dire maintenant, je vais dire silver 1, donc du coup je pense qu'il est entre... C'est à dire que là, en 3... Alors, oui, là le chat, ouvertement, oui, en 3 minutes 13, oui, pas 5, pas 10, en oui, 3 minutes 13, oui, il a défini le elo déjà de la game. Bien sûr, donc silver... C'est ton dernier mot. C'est mon dernier mot, silver 1, ça veut dire qu'il est entre silver 3 et gold 3. Gold 4. Et gold 3, gold 4, 3, ouais. Tu as raison, il est silver 3. Il est silver 3 les gars, trop fort les gars, trop... Oh ouais, voilà. C'est... Donc commencez pas à vous inventer comme quoi vous avez un niveau plate, etc. On l'a vu en 3 minutes 15 déjà, votre niveau. Bon déjà, je te dois un subgift. Donc regarde, je te montre le profil de l'individu. Cannabis Decimus, Gold 3. Donc voilà, première game remportée pour Peugeot. C'est pas mal, moi j'aime bien le concept. Moi ça me plaît. C'est vraiment insane. Ça me plaît, c'est incroyable. En plus, je le faire IRL comme ça et tout, c'est... Ouais. Je vais venir tous les jours. Non. Je regarde pas, je suis là-bas. Regarde pas. Vous êtes prêts les gars, on va regarder donc son level. Dis-moi qu'il y a des games. Il y a des games ou pas? Alors déjà il y a Amumu là, attends, on est où là? Amumu, attends, what the fuck? Lux Ignite TP au bot. Oh, ça va être dur, celui-là il va être dur. Attends, mais quoi, c'est Malphite support? Malphite support, ouais, Malphite support. Et on a poigne Ragnar avec Ignite. Oh, niveau maîtrise on est ok en vrai. Niveau maîtrise on est pas mal. Le problème c'est que ça peut être du fer comme ça pourrait être du silver, genre. Parce que ça me choquerait pas aussi qu'on voit ça en silver, mais ouais. il va falloir vraiment scruter là. Alors attends, il y a une invade avec la hache au corps à corps. Qu'est-ce que c'est? Attends, oula.
Ou on peut mettre... Attends, merci Marielle pour ton sub. Ouh là, le Malphite qui flashine. Ok, bon là... La hache corps à corps, c'est assez atypique. Bon, là, moi, je pense qu'on est entre fer et bronze. Le clear, il est opti. On a Mumu qui a fait deux camps. On commence au raid. Il a plus de mana. Il a plus de mana déjà. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, arrêtez de nous faire chier. Attends, on a le trade mid. Regarde, il y a une trade mid. Il faut que tu regardes le trade mid. Il y a un kill. Il faut que tu regardes. Tu analyses le kill. Niveau 2 contre niveau 2. Bien sûr, il a l'air de plutôt bien. Ouais, les mécaniques là, ils sont insane. Il se sert des CS. Oh, ouais, belle. Un HP. Un HP, un Mumu, un Mumu gank 3. Qu'est-ce qu'il fait contre Mord? Attends, mais si ça passe, c'est du jamais vu. Incroyable, gros. L'Ignite, oh là là là. Du coup, il n'y a pas de counter jungling de Mastery. Donc là, c'est du. Pour moi, c'est du bronze là pour l'instant. Ah, il faut que je vois vraiment. J'allais dire, il faut vraiment que je vois une dinguerie pour que ce soit du fer, mais. On est sur du fer. What the fuck. Oh là, elle s'est douchée avec la wave de CS là. Attends, il y a TP sur la lane. Optimisation là. Oh, attends, c'est du lourd là. Moi, il me faut encore un move là et je serai... Là, pour l'instant, je suis plus dans le fer que du bronze, mais... Mort de cette CS, quand même. Attends, c'est la Lux qui va pouvoir me définir la game là. Fais-moi voir un peu ses déplacements. Ouais. Ouais, c'est bon. Alors, c'est bon, là je sais que. Alors, soit il a un compte acheté lui, mais. Non, elle est immonde. La Lux, je sais pas ce que c'est. En plus, elle a TV dans son pseudo, frérot. J'ai l'impression que c'est un streamer. Parce que c'est. Mais en fait, le truc, c'est que. C'est qu'il faut regarder, parce qu'attention. Et oui, de l'autre côté, ça joue bien, mais. La Kaïssa, elle a des bons déplacements, mais ah, le problème. La Kaïssa joue plutôt bien. Hein. Là, elle m'a fait douter sur le niveau. Le problème, c'est que ça me demande plus de réflexion, ce game, parce que c'est vraiment l'hécatombe du level, du coup. Ah. Là, comme ça, là. Maintenant, tout de suite, si tu devras annoncer... Là, je dis faire un, là. Mais le mort de Kaiser, c'est une arnaque. C'est quoi, ça? Non, vas-y, mais t'es masse. C'est bon, je dis bronze 4. Bronze 4, c'est bon. Eh ben, c'est du bronze 4, gros. La tête de ma mère, c'est bronze 4, pile poil. Oh là 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 là. Incroyable. Un sub-gift contre un sub-gift. Ah, allez, c'est bon. Mais en vrai, le problème, c'est qu'il y en avait qui avaient un minimum de level, tu vois. Ouais. Mais il y en avait, ils étaient catastrophiques, donc j'aurais mis du fer. Mais derrière, il y avait quand même du bon niveau. Du coup, ouais. Je me suis dit, bon, on va pas mettre vraiment only fer, on va partir sur du bronze. Alpha Creed de Decimus. Ah, encore un Decimus, incroyable. Allez, je me tourne. Est-ce qu'il y a des arames dedans? Bah, il y a un peu de tout, quoi. C'est ce qu'on appelle un multifruit. Est-ce que son champion est un elfe? Son champion, tu vas le kiffer, genre. Son champion, tu vas le kiffer. Pitié, Pagaren. Ça y est, tu peux te tourner. Alors. Son champion est Garen. Non. Mais c'est trop dur à voir, les Garen. Mais bon courage. Luxignite, ok. Pitié pas Garen. Sérieux les gars, arrêtez de jouer Garen, c'est de la merde. Regarde les autres, ouais. T'as, faut que je regarde le set un peu jouer. Le set joue très très passif, c'est pas normal. Ok, enfin il trade, ok. Oula. Ok, il y a aucune gestion de wave déjà, donc c'est pas du, je dirais déjà du gold sûr, pas sûr, enfin sûr c'est pas du gold ni du platine ni du jam. Là on est vraiment, on va dire bronze. Allez, je pense qu'on est autour du. Le Z de 7 alors qu'il est même pas chargé. Bronze 3. Attends, pour vraiment prendre ton nom, regarde. Pourquoi? Il reste. Ok, c'est un peu teddy. Okay, il s'en va, il se fait gain. Il mérite sa mort un petit peu, ok. Slanterne, ok. Ah, ça... Le push. Le push de Graves. Ni vu ni connu là. C'est là aussi que ça peut être. En fait, c'est là, ça, je pense. C'est là où on verra le mieux en vrai. Bah, sur le mid game. Oula, Yashio, il bouge pas trop. Il a cuisiné dans le vide. Non, regarde, attends. Attends, c'est là, regarde. Là, il était immobile. Il était immobile. Ah merde. Non, les... 14 CS c'est le 7. Franchement, bah allez, je dirais bronze 1. Qu'est-ce que c'est? Mais gros, j'ai les games les plus durs.